messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 27 juin. À la une de l'actualité, un séisme de 5,1 sur l'échelle de Richter, enregistré hier soir à Oran. Pas de victimes, mais quelques dégâts matériels. Le président de la République, Majid Tebboune, souhaite quiétude et sécurité pour Oran et ses habitants. La loi sur l'investissement adoptée à l'Assemblée populaire nationale, le nouveau texte vise à améliorer le climat des affaires dans le pays et intervient dans le cadre de la politique de diversification de l'économie nationale. Ouverture de la 73e session du comité de liaison de la route transsaharienne au niveau des ministres. Cette route reliant 6 pays revêt un caractère éminemment économique et très attendu par les habitants des zones qu'elle traverse. Suite de notre série de sorties de promotion militaire, des cérémonies à l'école supérieure des techniques aéronautiques à Dar el-Beida, école militaire polytechnique de Burj el-Bahri et l'école de l'application du transport et de la circulation à Tlemcen. Jeux méditerranéens Hossine Deiri offre une 6e médaille à l'Algérie en karaté. La boxeuse Iman Khalif, elle, s'assure une place en demi-finale. Le point de la 4e journée des compétitions directes de rang. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, la terre a tremblé hier à Oran. Un séisme de 5,1 sur l'échelle de Richter localisé à Gdeyel vers 21h. Pas de victimes, mais quelques dégâts matériels enregistrés. Le président de la République, Majid Tebboune, a souhaité quiétude et sécurité pour Oran et ses habitants. Merci d'avoir fait honneur à l'Algérie et de la généreuse hospitalité à ses invités, a écrit le président de la République sur son compte Twitter. Activité parlementaire, séance plénière ce matin au Conseil de la Nation consacrée à la présentation au débat du projet de loi relatif aux relations de travail. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Chalfa, a annoncé qu'un droit sera institué pour les travailleurs de la fonction publique afin de bénéficier d'un congé sans solde pour la création de leurs entreprises. Séance présidée par le président du Sénat, Salah Gouji, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar. Puis adoption aujourd'hui par les députés du projet de loi relatif à l'investissement. Le nouveau texte intervient dans le cadre de la politique de diversification de l'économie nationale. Selon le ministre de l'Industrie, il figure parmi les principaux éléments à adapter impérativement aux exigences de développement de l'économie. Ahmed Zardal s'est exprimé lors d'une séance plénière présidée par le président de l'APN, Ibrahim Bourali, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement. L'actualité, ouverture ce matin de la 73e session du comité de liaison de la route transsaharienne au niveau des ministres présidés par le ministre des Travaux publics. La rencontre s'est tenue en présence de représentants d'institutions financières nationales et internationales et des diplomates des pays membres. Ils se sont entendus sur l'accélération de la création d'un corridor économique, fruit de la valorisation du projet. Et cette route relie 6 pays. Elle facilitera le transit, le transport, le commerce et générera de l'investissement, le tout soutenu par la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF. En Algérie, elle suit la fameuse RN1 qui traverse pas moins de 10 wilayas. Yamina Saïch. Accélérer la création d'un corridor économique, tel est l'accord auquel sont parvenus les ministres du secteur des travaux publics et des équipements des pays membres du projet de la route transsaharienne. Un accord qui fait suite à une étude réalisée par la CNUSED ayant recommandé la mise en place d'un corridor économique à travers un mécanisme régional assurant une coordination efficace entre les pays membres, à savoir l'Algérie, la Tunisie, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. L'objectif majeur étant d'établir un mécanisme régional qui assurera une coordination et une collaboration efficaces entre les divers intervenants du corridor route transsaharienne pour valoriser cette grande infrastructure.
Le ministre des Travaux publics a révélé l'avancement du projet au niveau des 6 pays. Il a d'ailleurs été proposé d'aller vers la promotion de la route transsaharienne pour parvenir à un système permettant la facilitation des échanges commerciaux sur l'ensemble du corridor avec l'utilisation des TIC dans le but de valoriser ce réseau routier. L'Algérie a boosté ce méga projet, consciente de son appartenance africaine et de l'importance de cette route qui permettra de relancer le développement économique et social à travers les échanges économiques, chose qui se concrétisera en reliant les capitales africaines, le tout soutenu par la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Le ministre nigérien des Travaux publics a affirmé que la route transsaharienne était quasiment achevée, ce qui permettra de faciliter les accords commerciaux entre les 6 pays membres. Je rappelle que entre l'Algérie, le Niger et le Nigeria, il y a un projet de construction de gazoduc. On a des projets dans le numérique de fibre optique. On va aller aussi sur des projets de voie ferrée entre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Considérée comme un axe stratégique pour soutenir l'investissement, cette route devra faciliter le transit, le transport, le commerce et la génération d'investissements, le tout soutenu par la mise en œuvre de la ZLECAF, zone de libre-échange continentale africaine. Pour la partie algérienne, plus de 2000 km allant d'Alger jusqu'à Ain Ghazem sont déjà achevés. Ce projet d'envergure pourrait ouvrir de grandes perspectives pour le développement au niveau régional, mais aussi local. La transsaharienne est très attendue par les habitants des zones concernées. Dans le sud du pays, les travaux connaissent une cadence soutenue. Camélia Mellel. C'est une véritable course contre la montre que l'Algérie a entrepris pour finaliser cette route. La RN1, la partie algérienne de la route de l'Union africaine, qui s'étend sur près de 2500 km, revêt un caractère éminemment économique. La RN1 revêt une grande importance dans le développement de plusieurs régions, surtout celle du sud. Elle reliera une région connue pour être un gisement de matières premières et les pôles industriels et productifs en général. La route nationale 1 constitue un pôle névralgique car elle donnera un nouveau souffle pour tous les secteurs. En plus de redynamiser les localités et les régions qu'elle traverse, la transsaharienne désenclavera certaines zones et reliera pas moins de 6 pays, une véritable plus-value pour le commerce et le troc. Elle sera la principale voie pour le passage des poids lourds et autres transporteurs. Quand on traverse cette route, il y a quelques tronçons qui ne sont pas encore achevés et j'espère qu'ils seront livrés dans les plus brefs délais car la route est longue. Cette route aura un impact positif significatif sur les activités des habitants de la zone. La réhabilitation et l'élargissement de la route sont la première étape dans le parcours visant à booster l'environnement économique s'étendant de l'Algérie jusqu'au Nigeria. Et on poursuit notre série de sorties de promos militaires, sortie ce matin de la 28e promotion des officiers de l'école supérieure des techniques aéronautiques, Shahid Moussa Rahali à Dalbaïda, cérémonie supervisée par le commandant des forces aéronautiques, le général-major Mahmoud Laraba. Dalal Boutaba, Meriem Damis. La cérémonie de sortie de 28 promotions des officiers de l'école supérieure des techniques aéronautiques Shahid Moussa Rahali a débuté par l'inspection des carrés par le commandant des forces aériennes, le général-major Mahmoud Laraba.
تتقدموا نحو الأمام بالتعليم كل يوم. إنكم تنضمون لقوة الجوية سلاح قمة لا يعترف بأي خطأ. لا تنسوا بين أيديكم سيرات الطيار. نملك وطن كبير له تاريخ عميق يحصلنا عليه كثير من الناس. عليكم اليوم حمايته، الدفاع عنه ورد ما فعله من أجلكم. Après la prestation de serment, les diplômes et les grades ont été remis aux lauréats. Par la suite, il a été procédé à la passation de l'emblème national de la promotion sortante à la nouvelle promotion. Honneur aux martyrs de la révolution. La promotion sortante a été baptisée du nom du shahid Al-Arbi Ahmed. Avec des pas décidés pour défendre la patrie, une parade militaire a été effectuée, reflétant la cohésion et la coordination des diplômés et le niveau de la formation qu'ils ont reçue. L'école a été dotée d'une nouvelle structure pédagogique. Les projets de licence et master en aéronautique des diplômés sortants ont été présentés. Les images et les vidéos et reconnaissent les objets pour l'identification et la classification. À la fin de la cérémonie, la famille du shahid Al-Arbi Ahmed a été honorée. Sortie également ce matin de la 49e promotion d'officier ingénieur et la 7e promotion de la formation complémentaire de master à l'école militaire polytechnique Shahid Talib Abdelrahman de Burj El Bahri. Une cérémonie supervisée par le commandant de la première région militaire, le général-major Ali Sidane. Un sujet de Fethiya Belalia Malik Ablel. La cérémonie de sortie des promotions a débuté par l'inspection des carrés par le général-major Ali Sidane, commandant de la première région militaire. À cette occasion, le commandant de l'école, le général Serir Omar, a prononcé une allocution dans laquelle il a rappelé les grands axes de la formation ainsi que les connaissances scientifiques et militaires dispensées. نصب أعينكم المصلحة العليا للأمة فوق كل اعتبار. أقسم بالله العلي العظيم. Par la suite, la promotion sortante a prêté serment. Ensuite, les diplômes et les grades ont été remis aux lauréats. Le général-major, le commandant de la première région militaire, a donné son approbation pour baptiser les promotions sortantes du nom du shahid Mohamed Ben Abdelatif. La cérémonie s'est achevée par une parade militaire exécutée avec précision par les diplômés témoignant du haut niveau de formation de l'école. Les ingénieurs diplômés ont exposé leurs projets scientifiques qui reflètent la qualité de la formation reçue au sein de l'école ainsi que leur totale maîtrise des technologies. À la fin de la cérémonie, la famille du shahid a été honorée par le général-major Ali Sidane, commandant de la première région militaire. Par la suite, il a signé le livre d'or de l'école.
C'est le général-major Jamal Hajj Al-Aroussi, commandant de la 2e région militaire, qui a présidé hier la cérémonie de sortie de 7 nouvelles promotions à l'école de l'application du transport et de la circulation à Tlemcen. Hicham Akli, Kamelia Mlel. La cérémonie de sortie de promotion de l'école d'application du transport et de la circulation de Tlemcen a débuté par l'inspection des différentes formations sortantes. أيها المتخرجون بقدر ما أهنيكم على هذا النجاح والتتويج بقدر ما أحثكم على التحلي بالعزيمة والإرادة لمواصلة درب العمل الفعال الذي أينعت ثماره مع إنهائكم لنشاطات هذه السنة الدراسية أوصيكم بالتحلي بالأخلاق الفاضلة والقيم الوطنية والعسكرية النبيلة وأن أصون المصالح العليا للأمة Les 7 promotions sortantes ont prêté serment avant la remise des diplômes et des grades aux lauréats. Nous sommes les gens de la vie. Nous sommes les بالدم والروح نفديها وبالعلم والسلاح نحميها Après approbation, les promotions sortantes ont été baptisées du nom du martyr Mustafaoui Boualem. La cérémonie s'est poursuivie par la présentation d'une exhibition d'arts martiaux exécutée par les étudiants de l'école. La parade militaire et l'exécution des exhibitions militaires par les diplômés sortants ont reflété le haut niveau de formation des officiers de cette école. En marge de cette cérémonie, des journées portes ouvertes sur l'école d'application du transport et de la circulation de Tlemcen ont été organisées au profit du grand public. Le général-major Hajj Al-Aroussi Jamel, commandant de la 2e région militaire, a honoré à cette occasion la famille du shahid Mustafaoui Boualem. Et cette opération de l'entreprise algérienne de fabrication de véhicules Mercedes-Benz unité Ain Bouchrif de Tiaret, relevant du ministère de la Défense nationale, pas moins de 522 véhicules ont été livrés à des organismes et institutions relevant des secteurs publics et privés. Rina Lorari. 562 véhicules produits par la société algérienne de fabrication des véhicules ont été livrés au profit du ministère de la Défense nationale, de même que pour des organismes et institutions relevant des secteurs publics et privés. 166 rubaïyat d'adaf et 396 siyara naf'iyya. Ya'ti hadha al-hadath li yujassida marratan okhra al-irada al-qawiyya wa yu'akkidu ba'da nadhar al-qiyada al-'ulya lil-jaysh al-watani al-sha'bi fi dhil istratégiyat Les véhicules livrés sont des voitures utilitaires équipées pour diverses utilisations, en plus de voitures de type 4x4. وأن هذا الاختيار هو اختيار استراتيجي لمؤسستنا سهرا منها على تحفيز المنتوج الوطني
في إطار تجهيز وحدات صيانة أحياء عدل عبر كافة التراب الوطني. اليوم نشرع في الاستفادة الثانية من 11 مركبة من نوع ورشات متنقلة. أنا راضيين بهذا الانتاجات تاعها والاحترافية العمال والمسؤولين تاعها، ونتمنى لهم إن شاء الله التوسع في هذا المجال. استلام 6 سيارات إسعاف لمديرية الصحة والسكان لولاية البسيلة، وهي سيارات مجهزة تجهيز كامل. La société algérienne de fabrication de véhicules a depuis sa création en 2014 toujours veillé à répondre aux besoins de ses clients dans des délais impartis, suivant la vision de l'ANP de développer les industries militaires répondant aux standards internationaux. Cette information à suivre ce soir sur les chaînes de la télévision nationale. La troisième partie des aveux du terroriste détenu Mohamed Azouz Ben Halima, un des participants à des plans ourdis des traîtres contre l'Algérie et les méthodes qu'ils utilisent. En voici un extrait. Les canyons tani, où ils utilisent, par exemple, comme la question de Mohamed Abdallah, ils ont mis à peu près 60 000 de zouja, et les zouja ont mis à peu près 30 000 euros, Rahim Tawajda a eu. هو أسيق الشوت هنا أمير ولا يسحب في أمواله مع تسمع الزيطوط تفاهموا على رأس أمير باش يديروا كاميرا في بيت بوقزوحة لأنه الدراهم 100,000 أورو مخبيها عند بوقزوحة. هذه الأموال اللي راهي مخبيها عند بوقزوحة هي الأموال تاع الابتزاز تاع زوخ. من بين الفيديو هذوك اللي قال لي ديرهم قال لي دير باللي فيديو كون زعما أونكا نخرج ولا شغل نحكي لكم على زيطوط ولا كاش ما نجبد الخبايا تاع زيطوط ولا عرفوا بلي عذبوني ولا ضربوني ولا قالوا لي قول ولا هذا الفيديو هو اللي قاعد يركز عليه اسمعي زيطوط بزاف كي لحقوا فرح قال لي ايوا هذا هو اللي كنت نحوس عليه قال لي هاد الفيديوهات انا نخبيهم عندي قال لي اونكا كش ما يصرا ولا يهبطوك قال لي خرج انا هاد الفيديوهات على اساس كيما نقولوا ضربوك وعذبوك وقالوا له قول هما على بالهم بلي انا نعرف عليهم صوالح بزاف وعلى بالي غاضب عليهم دي بروف تاع خيانه غاضب عليهم دي بروف تاع خيانه. Jeux méditerranéens de Reims, sans tarder le point sur cette quatrième journée de compétition, on retrouve Sarah Derbel en direct de Reims. Sarah, bonsoir. Une médaille d'argent pour l'Algérie en karaté et d'autres en perspective en boxe notamment et en lutte. Sarah. Bonsoir Sabrina, bonsoir à nos téléspectateurs. Et ben, l'Algérie a décroché pour cette deuxième journée 2 médailles, dont une en or. Et pour l'Algérie compte au total 7 médailles, dont 5 en or et 2 en argent. Et on commence par la bonne nouvelle, la médaille d'or. Nobadiste, notre sélection algérienne de badminton, vient tout juste de décrocher une médaille d'or face à l'Espagne après une victoire de 2-7 à 1. Et notre sélection créer l'exploit et c'est une médaille historique puisque le badminton décroche une médaille méditerranéenne pour la première fois. Et on parlera aussi de la deuxième médaille, la médaille d'argent, celle du karatéka Hossein Dehri qui a déjà décroché une médaille d'or à Tarragone en 2018. Et là, il réalise aussi l'exploit et c'est historique. Le premier karatéka à avoir deux médailles, dont une en or et une en argent. Il est juste là avec moi, donc Hossein, je suppose que vous êtes très content d'avoir décroché cette médaille d'argent. Donc parlez-nous un peu de votre sensation par rapport à cette médaille et de votre combat. Oui, c'était une salle, on va dire, archi pleine. Tout le monde était là pour vous voir et vous encourager. Bon, premièrement, alhamdoulilah, je suis très très satisfait de ce résultat. Comme vous avez dit que la dernière édition, j'étais vainqueur des Jeux méditerranéens. Alhamdoulilah, en tant qu'athlète et champion, j'ai pu rester sur la marche du podium, ce qui n'est pas vraiment facile. C'était une finale tactique. J'ai marqué le premier point. Après lui, à la fin, ils nous ont donné un point. On va dire que les personnes qui connaissent le karaté savent que c'était pas un point net, mais je reste sur le fair play. Je suis encore sur la marche du podium, mais ça reste le seul athlète dans l'histoire du karaté qui a eu deux médailles consécutives, une médaille d'or, une médaille d'argent. Le peuple, vraiment un peuple magnifique, il est venu aujourd'hui me soutenir dans les 58 wilayas. Je suis très très content, ils m'ont donné la force. Ce peuple m'a boosté, et alhamdoulilah.
Très bien, merci beaucoup. Donc voilà, Houssine Deiri qui a offert la 6e médaille d'or pour l'Algérie, la 6e pour le karaté, puisque le karaté a fini aujourd'hui la compétition et a décroché au total 6 médailles, dont 4 en or. Et la 7e est pour le badminton qui a décroché la 7e médaille pour l'Algérie. En attendant, nos lutteurs qui disputent actuellement 3 finales, espérant qu'ils décrocheront l'or. Merci Sarah Derbel. Je rappelle que vous êtes en direct d'Oran. Donc une nouvelle médaille d'or pour l'Algérie, une 7e médaille en général. C'est l'équipe de badminton qui vient de la remporter, en plus de la médaille de bronze par le karatéka Deiri. La boxe algérienne est également assurée d'une autre médaille en attendant la finale. En effet, la boxeuse algérienne Iman Khalif, 63 kilos, s'est qualifiée en demi-finale du tournoi féminin de boxe des Jeux méditerranéens en battant l'Égyptienne Rahma Mohamed, parée de l'arbitre. Le compte-rendu de Linda Teboul. C'est dans une salle archi-comble que Iman Khalif a confirmé son statut de vice-championne du monde en s'imposant face à l'Égyptienne Rahma Mohamed. Pour le compte des quarts de finale, l'Algérienne qui n'arrête pas de nous épater a dominé largement son combat et s'est qualifiée en demi-finale. صراحةً ما كنتش نستنى إنه الجمهور الجزائري راح يكون في قاعة الملاكمة خاصة ما يقبلكمش إننا شعب محافظ الشعب الجزائري ولكن أنا ما كنتش نتصور إنه الشعب الجزائري في يوم من الأيام راح يساند أو راح يشجع ملاكمة مرأة جزائرية ولكن اليوم الحمد لله رانا نشوفوا أن الشعب تاعنا حاضر في جميع المجالات في جميع البطولات هذا الشيء اللي فرحني بزاف نشكرهم ونحييهم ثانيا المنازلة كانت مستحقة وإن شاء الله خطوا أحسن تخطيط للميدالية الذهبية لا بريمير فيكتوار دو خليف إيمان سي فيكتوار لارجومون لا لا مانيير لا غاني فاسيلمون دونك اون با دو بروبليم سور بلان بلان تكنيك إيمان خليف سي اون بوكسوز كي افونس دو بلوس اون بلوس elle avance chaque combat et s'améliore. Une première victoire pour l'Algérie dans cette discipline qui a ouvert les portes aux autres boxeuses algériennes qui entreront en liste à partir de ce mardi. Comme ils disent aujourd'hui, Iman, elle a ouvert les portes pour nous donner le courage. Nous avons eu le combat de la première. Nous allons, Inch'Allah, entrer dans la compétition. Nous sommes satisfaits, surtout que nous sommes dans notre pays. Nous avons le courage, nous avons la volonté, nous avons le peuple qui nous supporte. Et nous allons dire, Inch'Allah, nous allons l'Algérie et nous allons faire le travail. Avec cette qualification, nos boxeuses entameront la compétition avec un moral plein. Bravo à nos champions sur ces bonnes nouvelles. On termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.